J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui le colonel Jacques Hogar, qui est déjà venu à notre émission. Vous vous doutez bien de ce qu'est la raison de sa présence, puisque l'on a remis il y a quelques jours au président de la République un rapport consacré à l'affaire du Rwanda, affaire qui remonte, on le sait, à 1994. Et c'est un rapport, évidemment, à charge contre l'armée française, hein. On prend les mêmes et on recommence pour arriver toujours aux mêmes conclusions, marquées bien sûr par un manque complet d'impartialité et par un refus d'un certain nombre de réalités. Alors, le colonel Hogar, qui a participé à l'opération turquoise en 1994, s'est fait depuis le défenseur de l'honneur de l'armée française, avec un certain nombre de nos amis, je pense notamment au professeur Bernard Lugan et à ses travaux consacrés au Rwanda. Mais il était nécessaire, je pense, aujourd'hui de faire un petit peu le point sur ce qu'apporte de nouveau ou prétend apporter de nouveau le dossier en question, afin d'y voir un petit peu plus clair sur ce génocide rwandais de 1994. Alors, colonel Hogar, d'abord peut-être en quelques mots rappeler le contexte des événements au cours desquels intervient ce fameux génocide. Si on veut être rapide et relativement exhaustif, les rapports franco-rwandais démarrent en 1975 par la signature des accords de coopération entre le président Habyarimana, un Hutu, qui est au pouvoir depuis 2 ans, et le président Valéry Giscard d'Estaing. Des années plus tard, en 1990, le pays est soumis à une attaque venant d'Ouganda, qui est en fait menée par des Tutsis d'origine rwandaise. Les Tutsis étant cette partie de la population, cette communauté, à peu près de 10 à 15% de la population rwandaise sur son ensemble, le reste étant composé de Hutus. Ces Tutsis ayant été chassés en 1960-61, au moment de l'indépendance. Donc c'est ça le démarrage. 90-93, une guerre qui est alimentée donc par l'Ouganda, avec derrière en perspective les États-Unis d'Amérique, il faut le rappeler, et qui s'en prend au Rwanda du moment, présidé par Habyarimana, dont on dira qu'il était très proche de Mitterrand. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, le président Mitterrand répond favorablement à son appel au secours en fin 90, quand il est menacé par cette armée guerrière Tutsi. Vous citiez Bernard Lugan qui a fort bien décrit tous les acteurs en présence dans plusieurs de ses ouvrages, et qui menace la stabilité du pays. Donc de 90 à 93, c'est l'opération Norwa, qui vise en fait à assurer une certaine stabilité, à renforcer les capacités de l'armée rwandaise face à cette agression extérieure et encore une fois fournie quand même par des Tutsis d'origine rwandaise, il faut le rappeler, pour être tout à fait juste. Et ça se termine par les accords d'Arusha en octobre 93, au terme desquels le FPR, donc le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, l'actuel président rwandais, accepte de discuter et de s'asseoir à la table des négociations avec le gouvernement rwandais de l'époque, qui est déjà un gouvernement de cohabitation parce que François Mitterrand a fait pression sur Habyarimana pour le contraindre à davantage d'ouverture démocratique, entre guillemets, dans un pays où l'ethnisme est une réalité absolue. Et encore une fois, 90% de Hutus, 10% de Tutsis, 1 ou 2% de Twa, de Pygmées, mais où, évidemment, par le jeu de la démocratie à l'occidentale importée en 61, selon la règle « un homme, une voix », donne une écrasante majorité aux Hutus et qui ont imposé leur régime après des siècles de domination Tutsi. Voilà en gros le schéma de l'ensemble. En fin 93, la France sur tir ne laisse que quelques coopérants au Rwanda et
La MINUAR, la mission des Nations Unies pour le Rwanda, l'ONU prend le relais, avec à sa tête un général canadien, le général Orméo Dallaire, qui montrera rapidement ses limites, pour ne pas dire son incurie. Ceci aboutit le 6 avril à cet attentat, mené, alors on le sait maintenant, même si le rapport en question, le rapport Duclerc que vous venez d'évoquer, fait semblant de penser le contraire, on sait maintenant que cet attentat est le fait, évidemment, du FPR. Un certain nombre de hiérarques du FPR de l'époque en ont décrit toutes les étapes, et même les tireurs de missiles, et même les numéros de missiles sont connus, appartenant à un lot cédé par la Russie à l'Ouganda quelques années auparavant, et dont un sous-lot de 10 missiles avait été concédé au FPR par l'Ouganda. Donc tout ça provoque une série de massacres épouvantables qui vont démarrer dès le lendemain de cet attentat, le 7 avril, qui vont être qualifiés le 15 mai par Alain Juppé de génocide. Voilà, pour rappeler grosso modo le contexte. On est après le discours de la Baule, on est après évidemment l'effondrement du mur de Berlin, le monde est en train de changer, le monde bipolaire, la France gendarme de l'Afrique, c'est beaucoup moins vrai, les Américains ont des velléités de défendre leurs intérêts, et puis cet embrasement subit du Rwanda, évidemment, va conduire la France dans une position d'accusés, comme on le voit aujourd'hui, de repentance, parce qu'on en est là aujourd'hui, ce qui est absolument, à mon avis, hallucinant et grotesque, et va porter tous les péchés du monde, alors que si on se livre à un examen un peu attentif de cette affaire, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fin à analyser, évidemment. Alors, comment se passent les choses quand commencent les massacres, donc au printemps de 1994, comment la France va réagir? Et vous avez été un des acteurs de l'opération turquoise, vous êtes un témoin tout à fait privilégié pour pouvoir parler de ce contexte. Cette opération turquoise, dans le rapport Duclerc qu'on vient d'évoquer, elle est considérée comme tardive. Alors, il faudrait quand même rappeler que ce n'est pas du fait de la France. La France demande pratiquement dans les premières semaines du génocide à la communauté internationale de bouger, à l'ONU de faire quelque chose. Or l'ONU, 10 jours après le début du génocide, le 17 avril, diminue par 10 les effectifs de ses troupes. On passe de 2600 hommes à 260 au Rwanda. Ce qui traduit la MINUAR qu'on va retirer du Rwanda. Donc. Qu'on retire au 9/10e du Rwanda, laissant un petit contingent à Kigali, la capitale. Complètement dépassé, avec un général dépassé lui-même, qui est le général Roméo Dallaire. Un commandant en second, qui est un colonel belge, pour lequel j'ai une certaine estime, Luc Marchal, qui fera tout ce qu'il peut pour essayer de contenir la casse. Un drame qui survient, 10 commandos. 10 paracommandos belges sont assassinés par l'armée, par les phares, des éléments extrémistes de l'armée Hutu. Et le pays bascule dans un drame épouvantable. Encore une fois, la France, par la bouche d'Alain Juppé, qui est son ministre des Affaires étrangères à l'époque, on est en cohabitation. En cohabitation, oui. Dénonce un génocide. Mais l'ONU, manipulée, je dirais, par l'administration Clinton, qui est au pouvoir, et en particulier par son égérie, que je retrouverai avec un certain déplaisir 5 ans plus tard au Kosovo, oui. Madeleine Albright, fait tout ce qu'elle peut pour freiner toute initiative visant, dans leur esprit, à bloquer l'avancée du FPR, Tutsi, de l'armée rebelle de Paul Kagame, pour l'empêcher de prendre le pouvoir. En réalité, on peut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles ce FPR, cette armée rebelle Tutsi, va mettre autant de temps pour parcourir une aussi petite distance, puisque le Rwanda est un tout petit pays, entre ses bases du nord de Mulundi et la capitale Kigali, où s'est entassé, au cours des années précédentes, 1 million de réfugiés Hutus, poussés par les massacres commis par le FPR dans le nord du pays. Voilà ce qu'on peut dire. Alors à ce moment-là, ça aboutit le 21 août,
par la résolution 929 de l'ONU, qui autorise la France à intervenir. La France et les pays qui voudraient se joindre à elle. Mm-hmm. Vous verrez que ce ne sont que quelques pays africains, francophones, mm-hmm. des amis de longue date, d'anciennes colonies, mm-hmm. Pourrait-on dire, qui se joignent à nous pour lancer l'opération turquoise. Cette opération est limitée à 2 mois. Donc c'est-à-dire que le 22 août, à minuit, elle doit être terminée, quoi qu'il arrive, pour repasser le relais à la Minuar 2, comme on l'avait vu en Somalie quelques années auparavant, l'UNOSOM 1, l'UNOSOM 2, et passer le relais donc à cette Minuar 2. Alors 2 mois d'engagement intense qui vont nous amener à créer une zone humanitaire sûre dans le sud-ouest du Rwanda, qui vont partager entre trois secteurs, en quelque sorte, un secteur nord, un secteur sud, un secteur est. Le secteur est est tenu initialement par les forces spéciales du colonel Rosier. Le secteur nord est tenu par les troupes de marine du colonel Sartre. Et le secteur sud, que j'ai l'honneur de commander, la charge de commander, est composé majoritairement d'unités de la Légion étrangère et, je dirais, d'un contingent tchadien. De même que le groupement Nord est renforcé par un groupement sénégalais, voilà, outre quelques autres petits contingents africains. Donc c'est 2 mois intenses où nous allons devoir d'abord sécuriser la zone humanitaire sûre vis-à-vis du FPR, mm-hmm. Front Patriotique Rwandais de Paul Kagame, qui annonce un peu comme Saddam Hussein quelques années auparavant dans la guerre du Golfe, réserver la mer des batailles à l'armée française si elle intervient au Rwanda. Donc on est obligé d'avoir une posture très militaire, ce que les gens ne comprennent pas toujours a posteriori, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes partis là-bas avec des avions de chasse, des mortiers, des Milan, parce que nous ne pouvions ignorer la menace clairement annoncée que faisait peser Kagame sur nos propres forces. Première étape. Deuxième étape, c'est la sécurisation interne de cette zone humanitaire sûre, c'est-à-dire désarmer les milices, désarmer les phares qui viendraient à s'y trouver, les forces armées rwandaises, désarmer les civils armés de machettes ou de bâtons ou de bâtons cloutés, comme on en verra, de gourdins et autres, et ramener le plus rapidement possible la sécurité pour tous, quelles que soient les populations, mais avec un œil bien sûr attentif sur les Tutsis qui viennent d'être massacrés par centaines de milliers, et dont il reste quand même un certain nombre de ressortissants, en particulier dans mon secteur. Il y a un camp qui est le camp de Nyarushishi où on a regroupé quelques milliers de Tutsis. Ce camp va presque doubler d'effectifs pendant notre mandat. Seront même d'ailleurs ensuite, à la suite d'un accord avec le FPR, renvoyés dans les lignes rwandaises tenues par le FPR en quart, au moins ceux qui en sont volontaires. Et donc voilà le lancement de Turquoise qui va nous occuper pendant 2 mois. On passera ensuite le relais à des forces étrangères, et moi dans mon secteur ce seront des Éthiopiens voilà, qui prendront le relais. Et alors on peut évaluer à quel chiffre les Tutsis qui ont pu être épargnés, qui ont été sauvés grâce à l'intervention française. Est-ce qu'on peut formuler... C'est très difficile à dire, mais c'est quelques dizaines de milliers. Oui. Alors on vous dira, c'est pas assez, certes, mais il fallait pas y aller le 21 juin, il fallait y aller début avril ou mi-avril. C'est-à-dire le retard étendu en fait à l'ONU. Au freinage de l'administration américaine, il faut dire les choses clairement. Et au freinage américain. Alors cette intervention française, évidemment, elle va entraîner de grands débats par la suite. Et puis l'affaire continue encore aujourd'hui. Et c'était en 1994, nous sommes en 2021. Alors les gens qui critiquent l'intervention française font valoir que dans certains cas, les Français n'ont rien fait pour protéger les victimes. Notamment, il s'agit de l'affaire de Bisesoro dans le nord, je crois, Le Bisesoro est dans l'ouest du Rwanda. J'y suis allé moi-même le 30 juin. D'un coup d'hélicoptère avec le colonel Rosier qui commandait le groupement des forces spéciales qui avait été déployé la semaine d'avant au Rwanda, quand il a eu le compte-rendu de ce drame.
Bicécéro, c'est très simple, si je puis dire. Bicécéro, c'est une colline donc de l'ouest du Rwanda qui surplombe le lac Kivu, où vivent un certain nombre de Tutsis, des quelques milliers de Tutsis, tout près de leurs compatriotes Hutus. Et ces Tutsis sont l'objet depuis des mois de chasses à l'homme, de massacres. Il en reste quelques centaines. Et je n'ai pas les dates, j'y étais pas, mais deux ou trois jours auparavant, la découverte officielle par le colonel Rosier de ses survivants, sur compte-rendu du patron de son détachement de commando marine, le capitaine de corvette Marin Gillier, qui lui rend compte qu'on vient de découvrir des centaines de Tutsis survivants se cachant, morts de peur, si je puis dire, dans ces bananeraies, dans ces forêts de Bicécéro. Il y a une polémique qui est née du fait que le patron équivalent du détachement de commando de l'air, le lieutenant-colonel Duval, aurait découvert ces survivants deux ou trois jours auparavant, aurait rendu compte et que le compte-rendu n'aurait pas été pris en compte. Et que donc, sous-entendu, en clair, l'armée française a fait exprès d'attendre pour laisser quelques centaines de morts supplémentaires. Les Tutsis concernés. Pour quelques centaines de morts supplémentaires. L'accusation est abjecte, elle est indigne, en particulier quand je parle de gens que je connais et pour lesquels j'ai une grande estime. Je parle en particulier du colonel Rosier, que je connais depuis des années et des années, et dont je peux certifier, attester de la parfaite droiture, de la parfaite moralité, de la parfaite humanité profonde qui anime cet officier parachutiste des troupes de marine, qui était probablement, à son époque en tout cas, le plus décoré de l'armée française. Donc il faut remettre les choses à leur place. Qu'il y ait des dysfonctionnements, en particulier dans les comptes rendus ou autres, ça arrive malheureusement en opération. Il n'y a que les gens qui sont assis dans un fauteuil confortable de leur appartement du 5e arrondissement de Paris qui peuvent le mettre en doute 25 ou 26 ou 27 années après. Ça leur est facile. Quand on est sur le terrain et qu'on est engagé dans une opération qui vous prend quasiment 24 heures sur 24, tous les jours, chaque semaine, il peut arriver, malheureusement, ce genre de choses. Donc voilà, sur Bicécéro, il y a une instruction qui a été menée par des juges, qui a déclaré, qui a abouti à un non-lieu, en particulier vis-à-vis des officiers concernés. Voilà ce que je peux dire. Revenir dessus, ça permet de souligner l'importance d'un livre publié par une journaliste chercheuse canadienne qui a travaillé 25 ans sur les questions du Rwanda, Judy Rever, qui a sorti un livre très contesté par nos adversaires aujourd'hui, et en particulier par le pouvoir de Kigali, Kagame, et ses séides et ses supporters en France, dont Patrick de Saint-Exupéry, l'association Survie et autres, qui remettent en cause ce qu'elle déclare dans son livre, et qui est très grave. C'est la manipulation par le FPR des extrémistes Hutus. C'est-à-dire, on infiltre quelques agents qui vont exciter les extrémistes pour les entraîner au massacre. Alors, on connaît ces procédés, qui sont des procédés de guerre, qui ont d'ailleurs été utilisés aussi en ex-Yougoslavie, si mes informations sont exactes, en particulier dans une affaire délicate qui est celle de Srebrenica. Je pense que c'est des choses extrêmement sérieuses qui méritent une vraie recherche approfondie et non pas des anathèmes et des évacuations un peu rapides. Alors il y a un autre point aussi qui a été reproché à l'armée française, c'est d'avoir facilité l'exfiltration des génocidaires vers le Zaïre voisin, redevenu aujourd'hui République démocratique du Congo. Alors ça, c'est un sujet qui me concerne directement, puisque c'est moi, dans mon secteur, qui ai vu passer quelques lourdes berlines encadrées par la garde présidentielle arrivant sur place, dans le chef-lieu de ma préfecture, Siangougou, où j'avais moi-même mon PC, le 15 juillet au soir. Le 16 juillet, j'ai pu vérifier effectivement le renseignement, et j'ai rencontré moi-même le président de la République par intérim, l'ancien président de l'Assemblée nationale, flanqué du ministre des Affaires étrangères de l'époque, donc Théodore Sindikubwabo et Jérôme Bikamumpaka, et nous n'avions aucun ordre,
aucun ordre. Mon général à Goma, le général Lafourcade n'avait aucun ordre. Et j'ai retrouvé une AFP datant du 15 juillet au soir, où tout ceci est confirmé. Et donc, nous attendions des ordres que nous n'avons jamais eus. Or, le 16 au matin, voyant que ces gens étaient en train de s'installer pour durer dans la zone humanitaire sûre, il était hors de question de les y laisser. Nous ne savions pas exactement, en tout cas à mon niveau, je ne savais pas exactement quelles étaient les responsabilités des uns et des autres, mais on savait bien qu'ils avaient une responsabilité collective, en tout cas, dans l'abominable génocide qui venait d'avoir lieu, et il était hors de question de les laisser trouver refuge dans la zone humanitaire garantie par la France. Donc je suis allé les voir en leur disant « Vous partez ». Là, on m'a demandé des avions pour les faire partir vers Bangui ou vers l'Europe ensuite. J'ai évidemment dit qu'il n'y aurait aucun moyen matériel à leur disposition pour les aider à partir, ce qui tombait sous le sens. Mais j'aurais dit, vous devez partir. La frontière était à 500 mètres de leur lieu de résidence. J'aurais dit, vous partez. On m'a objecté que la frontière était à ce moment-là fermée par les Aérois. Et c'était d'autant plus vrai que s'agglutinait une foule immense de réfugiés Hutus qui fuyaient leur pays. Amenant un désordre indescriptible sur ce pont frontière, sur la Ruzizi, entre les deux pays, entre les deux villes. Et donc je suis allé voir mon homologue zaïrois, le colonel Opango, pour lui dire « Il faut rouvrir cette frontière, vous n'êtes pas quelques milliers de réfugiés prêts, il s'agit vraiment de dénouer ce problème qui va empirer et qui va produire quelque chose de grave dans les heures qui viennent si on ne fait rien ». Bien entendu, il a rouvert la frontière, ces gens sont passés, et avec eux, les débris de ce gouvernement intérimaire, génocidaire rwandais, avec la garde présidentielle, aussitôt désarmée par les Aérois de l'autre côté. Voilà l'histoire. Alors on en a fait toute une histoire, c'est le cas de le dire. Pourtant, je m'en étais expliqué le soir même avec des journalistes qui étaient présents. Il y avait notamment Florence Omna de Libération, il y avait... Bon, des gens qui ont accepté tout à fait honnêtement les propos parfaitement sincères et francs que je leur donnais. Et c'est simplement en octobre 1994 que j'ai découvert que cette affaire-là faisait fantasmer un certain nombre de gens, dont Patrick de Saint-Exupéry, dont François-Xavier Verschave, le patron de survie à l'époque de cette association qui nous est très favorable, comme chacun sait. Et je me suis dit, mais c'est une manipulation, une désinformation qui dure encore. Voilà, donc on voit qu'elle est évoquée dans le rapport du Clerc, de manière assez prudente d'ailleurs. Attendons, je pense qu'un jour, comme pour Bicicero, l'histoire finira par s'imposer dans sa vérité. Mais alors, qui sont les procureurs qui s'acharnent ainsi contre l'intervention française, qui veulent criminaliser en quelque sorte cette intervention, accuser l'armée française de complicité dans ce génocide, s'en prendre au passage alors, à François Mitterrand, président de la République de l'époque? On a du mal à saisir leurs intentions et leur identité même. Qui sont-ils, ces gens-là ? D'abord, revenons deux minutes sur le rapport du Clerc, si vous permettez. Donc, je pense qu'il est plus un rapport politique qu'un rapport d'historien. Je m'explique. Ce rapport, en fait, est partiel et partial. Partiel parce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des données géopolitiques, historiques, ni de la région, ni du monde d'ailleurs à l'époque, ni du Rwanda en particulier, et partiel parce qu'il prend parti. Il prend parti pour finalement la thèse de survie et des autres organisations en question d'une complicité de la France. Alors ce rapport est important parce qu'il retire facialement, en tout cas, l'accusation de complicité de génocide, et de la France et de l'armée française, a fortiori. Mais en réalité, il l'accable. Il les accable ou l'accable, en parlant de la France, en faisant mine de dédouaner l'armée française de toute responsabilité. On voit bien, à travers la réaction de quelques officiers un petit peu dévoyés, je vais dire, qui viennent de prendre la parole ces derniers jours, ils sont trois, que le stratagème fonctionne. On n'attaque pas l'armée française, mais quand même, on reconnaît que dans l'armée française, il y a des gens plus,
plus ouverts et intelligents ou plus humanistes que d'autres. Hein. C'est un peu le procédé que je sens. Alors, qui est derrière tout ça? Je vais vous dire de manière très simple, le pouvoir rwandais d'aujourd'hui, c'est Paul Kagame. Paul Kagame est la cible de ce rapport Duclert, au sens où ce rapport Duclert s'inscrit dans une démarche de repentance, comme il y a quelques semaines le rapport Stora vis-à-vis de l'Algérie. Il s'agit de nous mettre bien aujourd'hui avec ce pouvoir qui est un génocide pouvant en cacher un autre, est un pouvoir totalitaire, responsable d'une situation sanglante, épouvantable dans les Grands Lacs, car là on ne parle plus de centaines de milliers de morts, on parle de millions de morts. 6 à 7 millions de morts dans toute la région, en particulier, évidemment, toutes les provinces orientales de l'ex-Zaïre, de la RDC d'aujourd'hui. Donc, en fait, ce rapport vise à s'attirer les bonnes grâces de Paul Kagame, faisant preuve, à mon avis, d'une très grande naïveté. Bien, merci infiniment, Colonel Olgard, pour tous ces éclairages bien nécessaires dans la confusion qui règne généralement à propos de cette affaire. Je pense que nous aurons l'occasion, de toute manière, de revenir sur ce sujet dans les mois qui viennent. Merci beaucoup de m'avoir invité.